Marie Amke, owner de Alcoholic Flavor, responsable marketing à Andoya, et vous êtes dans le canapé confiné. Je suis à la maison à Abidjan Cocody. Les journées, je les passe toutes de la même manière. Soit je me maquille, je pense que ça se voit sur mon visage, hein. Ou je fais des cocktails, je chill avec des amis, je regarde la télé. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette période aussi. Donc, Je vais vous montrer ma cave. Petite cave que j'ai à la maison et tout. Alors ma passion pour les cocktails, je l'ai eue en première année. J'avais des potes qui étaient tout le temps en train de faire des mélanges, créer des shots, créer des cocktails, tout ça, tout ça. Et je me suis joint au groupe. C'était très amusant de mélanger une fénine à boire. Et à un moment, vu qu'il y a, certaines personnes qui me voyaient souvent faire les mélanges, ils m'ont demandé, tu peux me faire des bouteilles de shots, tu peux me faire des cocktails, tout ça, tout ça. Je me suis dit, mais attends, vu que tout le temps il y a des gens qui demandent, c'est pas mieux d'aller chez internet apprendre. Je dirais qu'elle peut devenir riche avec cette affaire là. Et voilà, il y a Alcoholic Flavor qui est née après tout ça. Concernant la vie professionnelle, c'est pas très compliqué d'allier cocktail making et vie professionnelle, vu que le travail c'est en semaine de 8h à 17h et pour les shots c'est le week-end. Donc en semaine je bosse, le week-end je kiffe tranquille. Je vais vous faire le top 3 de ma playlist confinée. Numéro 1. Tu voulais buzz, on t'a pas calculé. Faut des termes maintenant. Couteau court, nous fait dandiner. Tous les matins, on est dandina. Numéro 2. Changement. C'est maintenant le film a commencé. C'est de respecter les mesures de sécurité, d'éviter les déplacements